Bon, direction la direction. On est parti pour le premier vlog hein, de ce voyage. Voilà, déjà on va à Casa pour commencer et ensuite nous allons. Bonjour, Casablanca. Après Marrakech, les gars. Mesdames et messieurs, bonjour, le commandant. Ce jour, moi-même, pour vous souhaiter la bienvenue à bord de ce vol à destination de Casablanca. Il a cramé la destination en fait. Direct. Les gars, direction le quad. Au calme. Comme je vous ai dit, moi je ne sais pas trop. En vrai, j'ai pas trop vlogué, les gars, à Casa. Parce que tu vois, à Casa, je faisais d'autres choses que j'ai pas trop le temps de vlogger, on va dire. Mais là, on est parti pour vlogger tranquillement le quad. Clément, avec le petit Clément. Clément qui a mixé d'ailleurs hier. Bon, Clément qui s'en passe un pote à moi depuis très longtemps maintenant. Il est DJ, il est chaud. Ok les gars, on vient d'arriver actuellement dans le désert. On est clairement dans le désert du Maroc. Et quand je vous dis le désert, c'est le désert. Je vous montre ça tout de suite les gars, regardez. Incroyable. Oh, cette ouf, cette vue de fou les gars. Ah mais Clément, c'est incroyable. C'est incroyable frérot. On est dans le désert les gars, dans le désert le plus sombre. Et en plus bon, on va manger spécialité marocaine aujourd'hui. Effectivement, bon là on a... Bon là on a pas trop de chance parce que on n'a pas le soleil avec nous. Il y a un peu de nuages, il fait pas trop froid non plus, mais ça va, ça passe. On va aller grailler tranquillement, au calme. Donc là, regardez la vue. C'est pas mal, hein. Donc là, c'est le resto, les gars, c'est pas mal. On va manger là tranquillement, avec vue sur le désert. Bon, il y a la piscine, mais bon, la piscine n'est pas ouverte, vu qu'on n'est pas en période. Mais disons que c'est plutôt sympathique, quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'espère qu'il n'y a pas des serpents ou des trucs comme ça parce que honnêtement c'est chaud les gars. S'il y a des serpents ça craint. Oh, c'est bon. Actuellement en plein milieu du désert avec le poteau. C'est quoi ton prénom? Il est chaud, il est chaud. Les gars, si vous voulez des quads avec le feu, c'est quoi ton nom? Vous avez le nom, il s'affiche de ce temps, je vous l'affiche les gars. En tout cas, merci à eux, c'était plutôt sympathique. Là, on est en plein milieu du désert, regardez, c'est-à-dire que là autour de moi, il y a un peu de vent, je sais. C'est le désert quoi. Clément, comment ça se passe? C'est incroyable ici. J'adore le Maroc, les frérots. C'est la première fois qu'il vient au Maroc, les gars. Première fois qu'il vient. Pour moi, c'est pas la première fois, mais en vrai, c'est un truc de fou. On est dans un spot pas mal. J'ai peut-être ma petite photo Instagram. Et là, c'est vraiment. Il n'y a rien quoi. C'est-à-dire que là, à tout moment, je dois marcher, je sais pas combien de temps. Non, en fait. Il y a des villages un peu proches quand même. Mais en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous kiffez. Nous, on est reparti, les gars. Je vais vous montrer un peu les quads, comment ils sont. Voilà, t'as les quads, ils sont comme ça, tu vois. Hop, rouge plutôt sympathique. Bon, j'ai pris une petite tenue, une petite. Bon, c'est une djellaba pour pas qu'on salisse les fringues, tu vois. Et lui, le quad du gars, c'est le seul bon. Bon, regardez, il y a des gens là-bas. Ça arrive là-bas, regardez, ça arrive. Oh, c'est quoi tout le groupe là? Ah ouais, vous prévenir là, vous venez comme ça, vous me prévenez pas, les babons sont là. Les babons sont là. Bon, je vais dire au poteau d'accélérer un petit peu là parce que là. On va accélérer un peu là. Rapide. Les gars, aujourd'hui on va tester le McDo du Maroc, voir si c'est cher ou pas cher. C'est parti. Première vue, c'est un peu les mêmes menus qu'en France. Quoique chèvre miel, la moutarde, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air plutôt sympathique. 39 dirhams, t'as ça. Je vais partir sur ça. Duo, petite frite. Mais c'est un peu le bordel, les gars, dans le McDo. Petit Hawaï, Hawaï, tu connais, c'est la meilleure boisson. En gros, t'as tout ça quoi. C'est abusé quand même. T'as un chicken cheese. Et tout ça, les gars, pour 41 dirhams. Les gars, 41 dirhams, c'est à peu près 4 euros, on va dire. On dira 4 euros. C'est 4 euros, t'imagines?
un Happy Meal en France, 5 balles je crois, ou à peu près 4,50. Et là t'as 2 sandwichs, t'as ta boisson, t'es max quoi, t'es max, en gros t'es max. Là voilà les gars, pour 4€, chicken burger et le chicken cheese. Et franchement avec la salade et tout, hein, c'est très très bien garni. Tout ça les gars pour 41, les autres ont pris d'autres choses. Gustation, tu connais. Incroyable, c'est une nugget géante en fait, tout ça pour 4€, c'est pas mal le Maroc. Actuellement dans la place à Toubou de Marrakech, hein, j'ai envie de dire, place Jemaa les gars, c'est la plus connue quoi, j'ai envie de dire la plus connue. Là on va se parader un petit peu, on a déjà mangé un petit peu juste avant, je vais pas montrer. Et tu peux nous suivre, normalement il y a des babouins, les gars il faut qu'on libère les singes d'ici. D'ailleurs c'est pas bien, la maltraitance des animaux tu connais, mais on va aller voir pas de plus tard comme ça va les... Bon les gars, actuellement à l'aéroport de Marrakech, bon, on est arrivé par Casa, mais on part par Marrakech, tu vois, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de rentrer, enfin en fait, c'est pas qu'on n'avait pas le temps, c'est qu'on a la flemme d'aller à Casa pour, juste pour prendre l'avion, ouais, on a pris après, directement ici. Après, tu as dit quand même aux gens qu'on a fait un aller-retour Marrakech-Casa sur une journée. C'est vrai, on a fait un aller-retour Casa, j'avais 2-3 trucs à faire, comme je l'ai dit, et puis voilà, c'était pas mal, 2-3 trucs perso. Là, direction Paris. Et ensuite, faut aller jusqu'à Nancy, oh là là. On n'a pas fini quoi. On n'a pas dormi surtout. Franchement, c'était une semaine incroyable. Bon, je vous ai vlogué pas trop de trucs non plus. Ceux qui ont vu les stories un peu, vous avez un peu suivi les stories sur Insta et sur YouTube. C'était plutôt sympathique. Et puis là, direction l'avion, on va dormir. Je vais dormir tout le long les gars. Je suis en nuit blanche là, on est en nuit blanche les gars, c'est un truc de fou. Les gars, j'ai la dalle, je viens de manger un petit peu. Direction l'avion. Allez. Direction la direction, j'ai envie de dire. Retour en France, retour à la réalité. Retour à la neige. Il neige en plus apparemment les gars, j'ai entendu qu'il neigeait à Nancy. Enfin qu'il neigeait à Nancy, donc on va voir s'il neige vraiment. Mais là il fait un peu frais quand même. Hein. On a mis des vestes et tout, parce qu'il fait quand même frais au Maroc. Mais on a eu une journée plutôt sympathique. Il faisait chaud, de toute façon vous avez vu avec le quad et tout. C'était pas mal. Et voilà, je vous montre la nuit, regardez. Ça y est. Tu passes par devant. Bon, on va répondre à cette fameuse question, parce que là, je me suis fait harceler dans les commentaires. J'ai eu des félicitations pour ton mariage. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai eu ça dans mes commentaires. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'il a fait la salle pendant que j'étais pas là? Là, je lance la vidéo, je vois quoi. Il parle de moi, je me suis marié, machin, 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 machin. Je me suis dit, mais la salle, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as raconté comme dingue? Les gens envoient un message, je lui dis, mais t'es complètement fou en fait. Il est complètement fou. Je vous jure que j'ai reçu des messages Instagram partout, sur Snap et tout, félicitations, dans les commentaires TikTok, si vous me sortez TikTok, partout, partout. Du coup, je vais répondre à cette question. Est-ce que je me suis marié ou pas là-bas? Telle la question. Je pense que la salle va me poser la question dans ses vidéos. Je sais pas, peut-être pas. Mais voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. On saurait plus peut-être plus tard, mais en tout cas pour le moment, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et on continue 2023. Let's go.